Pour la quatrième année consécutive, la Ferté-Alais 90 démarre avec une prise de vue sur un Mustang, mais c'est un vrai ce coup-ci. C'est le Mustang de l'Amicale, l'avion qui tournait le film L'Empire du Soleil. Mais malgré la beauté des avions de la collection Salis, nous ne sommes pas là pour vous parler d'avions grandeur, mais bien de modèles réduits. Alors on veut un modèle réduit. À s'y tromper, on penserait que c'est un passage du vrai, mais non, c'est un Mustang qui nous est venu d'Angleterre. Voilà donc la preuve que le petit gros, c'est le modélisme réaliste. Le Storch de Werner Wagner qui nous tracte une banderole de bienvenue et la banderole a eu quelques problèmes. Bon, c'est pas grave, ça porte pas conséquence, mais il était très très déçu de pas avoir fait une banderole qui tenait le coup. Tout de suite, on voit le principal problème qu'il y a eu à la Ferté cette année, le vent de travers. Oui, il y a eu une météo, mais elle n'était pas joyeuse. Depuis le jeudi, il tombait des halbardes. Le samedi matin, on n'était pas à la noce, il y avait un vent qui était très très fort. Et malgré tout, ça n'a pas empêché les modélistes de voler. On a vu un petit peu le soleil le samedi, un petit peu le dimanche matin, et énormément le dimanche après-midi, ce qui a finalement sauvé le meeting. On voit aussi la nouvelle disposition du terrain avec l'allée centrale et les deux couloirs sur le côté pour dégager les avions. Beaucoup de modifications au niveau de l'aménagement du terrain cette année, Patrick. Oui, disons que ça c'était une idée au départ de la Régie Radio. La Régie Radio nous a dit l'année dernière il faut absolument faire quelques petites modifs pour que ce soit la pagaille comme c'était. Bon, puis au fur et à mesure des réflexions, on est arrivé à faire ça. Les hommes de la radio, les voilà. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner sur le terrain, en même temps qu'ils accueillent les premiers pilotes qui portent leurs émetteurs et qui attendent, pour les plus disciplinés, le briefing de Patrick. Le briefing, c'est pas une mince affaire. Il faut avouer que tous les ans, c'est pareil. Bon, c'est un problème de discipline. Peut-être que... Je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'ai assisté au briefing du meeting grandeur. Et ils sont draconiens à ce niveau-là, c'est-à-dire que le pilote qui n'est pas présent ne vole pas. Et... Je pense pas être obligé d'en venir à ce niveau-là par la suite, mais c'est l'épée de Damoclès quand même. Problème très difficile. Alors pendant que Patrick essaye de réunir les pilotes pour faire son briefing, eh bien il y a Jean-Louis, mon acolyte à RCM, là, qui arrive avec son volplane et qui fait bonjour. C'est pratiquement le premier petit gros de la rencontre, puisque son avion est à la limite d'être un ULM. Il pourrait tout à fait être radiocommandé en fait, presque. Oui, c'est un petit avion et ça pourrait être un très gros petit gros. Il manque la radio dedans, c'est tout. Une machine qui n'a pas beaucoup de chevaux, mais qui plaît beaucoup aux modélistes en général, qui a une allure sympathique. Un avion un peu à la Walt Disney, un peu un avion de dessin animé. Bon, Jean-Louis, lui, trouve que c'est un peu limité. Il aimerait bien avoir une machine un peu plus puissante, mais... C'est une machine qui vole bien en modèle réduit. Il y en avait un d'ailleurs présent les années précédentes à la Ferté-Alais qui avait été construit par un modéliste d'Ara à l'échelle d'un tiers, qui était vraiment magnifique. Vous noterez l'autocollant RCM. Alors là, nous sommes au début du meeting. Il y a déjà la queue pour voler pratiquement. Oui, c'est l'éternel queue de la Ferté-Alais. Et bon, cette année, on ne peut pas dire que ce soit mal passé, on reviendra plus tard, mais on a essayé de faire un programme. Bon, ça a un petit peu arrangé les choses, c'était un rodage. Bon, malgré tout, ça s'est pas trop mal passé. Disons que le plus gros problème de ce meeting, c'était quand même la météo, qui gênait beaucoup de gens. Et ça, tout meeting dépend essentiellement de ce problème, la météo. Un pilote qui n'a pas du tout été gêné par la météo, en fait, c'est évidemment Gerhard Trench, ici avec son Tiger Moss, ultra léger. Malgré ça, il s'est amusé comme un fou avec le vent. En fait, lui, il a plutôt utilisé le vent. On va le voir tout de suite. Il s'est amusé avec le vent à faire des figures qui sont pratiquement impossibles sans vent. Alors, c'est pas un avion neuf, ça fait longtemps qu'on le voit à la Ferté, mais on le voit toujours avec plaisir. Disons que le vent qui était présent, surtout le samedi matin et puis le début d'après-midi du samedi,
ne gênait pas énormément les pilotes qui sont des bêtes à meeting. Au contraire, comme disait Laurent, ils s'en servent. Mais la météo en général, la pluie, le vent, a, je pense, convaincu certains modélistes de rester chez eux. Sans doute une bonne partie du public aussi a dû hésiter jusqu'au dernier moment avant de venir. Heureusement, comme tu disais tout à l'heure, que la météo s'est améliorée le dimanche après-midi. Pour revenir sur le Tegarmos, bon, il s'agit bien évidemment d'un kit Tony Clark, Practical Scale. Un avion qui maintenant doit avoir 5 ou 6 ans, qui vole pratiquement, je pense, tous les week-ends. Voilà, justement ce que je disais tout à l'heure, il utilise le vent pour décoller sur place. Et vous allez voir, là, c'est assez spectaculaire. Le Tegarmos qui joue à l'hélicoptère, qui se laisse dériver avec le vent, mais qui reste accroché à l'hélice. Ça en dit long sur le rapport poids-puissance de la bête. Un autre kit Tony Clark, c'est le Sopwith Pop. Alors pareil, c'est dans les mains de Grant Wrench, c'est quelque chose d'assez formidable. Et en plus, bon, bah, c'est un avion qui vole bien malgré tout. Hein. Comme tous les kits Tony Clark, c'est d'une finition absolument merveilleuse. Et puis, bon, bah, un biplan, normalement, c'est gêné par le vent et tout. Mais comme on dit tout à l'heure, Wrench fait absolument ce qu'il veut avec ce genre d'avion. Les kits Tony Clark, c'est tout le contraire du Ready to Fly, c'est plutôt du Ready to Glue, du prêt à coller. C'est vraiment des fagots, avec un magnifique plan, quelques accessoires, mais c'est vraiment pour les modélistes qui aiment construire. C'est des modèles qui ne se construisent pas en moins de 200 heures à peu près de construction. Sauf le Cap 21. Le Cap 21 est relativement rapide à faire. Bon, maintenant, tous les avions rétro sont effectivement des fagots monumentaux. Par contre, des fagots de très bonne qualité, contrairement à d'autres marques, américaines notamment. Effectivement, et faut-il le dire, c'est Gerhard Heinz qui dessine la structure des modèles Tony Clark. Évidemment, quand on voit quel pilote c'est, on comprend qu'ils conçoivent des modèles renforcés aux endroits où il faut. Et surtout, je pense que l'une des grosses qualités de ces avions, c'est leur motorisation. Alors, le moteur n'est pas énorme, c'est un 38 cm3, mais il a un gros avantage, à mon avis, c'est qu'il est démultiplié. Oui, c'est un moteur réduit qu'on appelle. Et ce 38, ben, avec le réducteur, permet d'entraîner une hélice qui fait pas moins de 70 cm de diamètre, ce qui est assez monumental. C'est une hélice fabriquée par Tony Clark et c'est une hélice en résine. Ses dimensions exactes en pouces, comme on a plus l'habitude de les donner, c'est 32-18. Alors, une grande hélice. Ça a plusieurs avantages. Ça permet de rester accroché, comme on le voit ici, mais surtout ça permet de ne pas trop accélérer dans les piquets et d'avoir un réalisme absolument extraordinaire. En plus de ça, le moteur fait moins de bruit. Je pense que en plus le bruit de l'hélice le couvre pas mal et le résultat est vraiment très réaliste. Voilà, on peut admirer la maîtrise de Gerhard Heinz, encore une fois, qui fait rouler très très longtemps. Et bien dans l'axe. Malgré le vent. Vous avez peut-être noté la roue qui est un peu pliée, c'est normal, le train est suspendu, il y a des sandos comme sur le vrai qui est amorti. On voit bien ici le diamètre de l'hélice. Des modèles de grande taille, 2,45 m d'envergure quand même. Autre grande nouveauté cette année, Patrick, au niveau des dispositions du terrain, les parcs dans lesquels étaient les avions. Oui, ben les parcs, c'est pareil, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est Moustache au Show des As. L'idée du parc, c'était très bien. Bon, maintenant le Show des As, c'est une quarantaine d'avions et je me posais la question, est-ce que ça va coller à la Ferté ou est-ce que ça va pas coller? Finalement, ça a très bien collé, ça pose malgré tout un problème énorme. C'est une manipulation de barrière qui est démente. Et arranger les barrières à la Ferté, on a fini à 3 ou 4 le mercredi soir. Les gens ne se rendent peut-être pas bien compte du travail que ça demande d'organiser une rencontre comme ça.
En tous les cas, je crois que le public était extrêmement satisfait parce que ça leur permettait d'être aux premières loges puisqu'il n'y avait aucun avion devant le public. Et en plus, ils pouvaient voir les modèles de plus près et discuter plus facilement avec les pilotes et les constructeurs. Un Clem avec une hélice fêlée. Bon, on s'en est aperçu en regardant la cassette. Sur place, on s'en est pas aperçu. Je pense que... Enfin, j'espère, disons, que le pilote l'a vu. Alors, un Clem d'origine allemande, c'est la moindre des choses, puisque l'original est allemand. Un modèle d'assez grande taille. Et une belle page d'écriture, ici. Où il est écrit, en gros, que cet avion fut utilisé dans les années 35 par Ernst Ludeth, une des grandes figures de l'aviation allemande d'avant-guerre. C'est Peter Müller, un Allemand qui venait pour la première fois, qui a présenté ce Clem Motor Samson. Alors, ce genre de maquette, ça représente à peu près 600 heures de construction, d'après ce monsieur. Le modèle est entoilé au Solartex, un revêtement qui est très très souvent utilisé sur les petits vols. On s'aperçoit que la finition est tout de même assez poussée avec les harnais dans les postes de pilotage. Et les petits autocollants qui doivent être sur le vrai. Ce modèle au quart mesure 3,25 m d'envergure. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est motorisé avec un Enya 4 temps de 20 cm3 à 120 R, ce qui prouve en fait que le Clem, plus qu'un avion, c'était vraiment un motoplaneur. Et un Français, c'est Lionel Zimmermann, avec l'avion construit par papa. PZL. Un avion très facilement reconnaissable. Enfin, les avions PZL de cette époque sont facilement reconnaissables leurs ailes en mouette. Des avions PZL, des avions polonais, mais qui utilisaient donc des moteurs français, Hispano-Suiza. Ce PZL de Lionel, il a déjà pas mal de bouteilles, parce que on l'a vu à Orléans en structure. Et il y a de nombreuses années maintenant qu'il vole. Il a nécessité 400 heures de construction. Il est lui aussi au quart et mesure 2,50 m d'envergure. Contrairement au Clem qu'on a vu précédemment, qui utilise un moteur pour le moins classique, ce PZL est équipé d'un moteur Granja de 33 cm3, un moteur qui est souvent utilisé par la famille Zimmermann, mais un moteur très très peu connu. Un moteur qui marche très très bien, à part un petit problème, c'est son silencieux, il fait énormément de bruit. À la Ferté aussi, cette année, ça commence à être la guerre au bruit. Oui, c'était très simple. C'est la Michael Salis qui nous a, dans le contrat de location du terrain, qui nous a imposé de respecter, pas le silence je dirais, mais enfin, faire attention au bruit que les avions faisaient. Bon, bah, on a joué le jeu, avec l'aviation civile d'ailleurs, qui nous a fait donner un excellent coup de main. Et puis bon, on a mesuré tous les avions et puis il s'avère qu'il y a beaucoup de modélistes qui ont fait un effort pour pas gêner le monde. Faut-il vous présenter l'avion que vous avez en ce moment à l'écran? C'est le Morane 230 de Jean Jegou. On l'a vu à plusieurs reprises à la Ferté, dans les cassettes précédentes, même dans celle du championnat d'Europe maquette, puisque Jean Jegou faisait partie de l'équipe de France. Mais cet avion, cette année, il a une nouvelle naissance. En fait, c'est un nouveau Morane 230 qu'on a eu le droit d'admirer cette année à la Ferté. Oui, c'est un Morane avec un moteur Titan. Alors qu'avant, il avait un vieux cadre usé, archi usé jusqu'à la corde. Et là, avec le Titan, c'est un autre avion, tout simplement. C'est vraiment le jour et la nuit. Et là, vous allez voir que les évolutions du Morane n'ont rien à envier à ce que devait pouvoir faire le vrai en voltige. Ça fait vraiment plaisir de le voir voler comme ça, d'autant plus que Jean est en train de passer de la voltige en parallèle avec Lionel Zimmermann et le PZL. On s'attendait vraiment pas à voir ce genre de spectacle. Mais vraiment, ça fait un plaisir énorme. Une figure qui affectionne particulièrement Jean Jeuby, un passage en glissade. Magnifique.
si seulement il avait eu ce moteur-là, l'an dernier à Périgueux pour les championnats d'Europe, je peux vous dire qu'il aurait certainement été sur le podium. Ce sera pour l'année prochaine. Souhaitons-le. Ah, j'en suis sûr. Je suis résolument optimiste. Plus modeste, mais l'exemple typique d'un modèle pour débuter en petit gros, le PT19. Ce modèle appartient à André Chesboeuf. André Chesboeuf, c'est quelqu'un qui n'est pas tellement connu, mais il est en train de faire quelque chose de très bien en ce moment. C'est pas un modèle qu'il fait, il est en train de créer une insuliste, tout simplement. Un autre aperçu de la queue. Alors, il y avait du beau monde, hein. on peut le voir là. Il y a des modèles vraiment extraordinaires. Il y avait une queue de combien de temps à peu près? Oh là, en temps, je ne sors pas bien. Disons qu'il y en a pour allègrement une heure. Et pourtant, malgré la longueur de cette queue, tous ceux qui ont voulu voler ont pu voler cette année. Un TR-260 issu d'un kit Dolé, qui porte un décor totalement fantaisiste, qui appartenait à un Belge. Au second plan, le DL-260 de Michel Moisan. Michel Moisan, c'est notre Ranch national. Il fait de la compétition à heure perdue, je dirais. Il est très très disponible pour tout ce qui est manifestation, aéromodélisme, meeting, etc. Et c'est un garçon formidable pour ça. La première fois que j'ai vu ce modèle, j'ai demandé à Michel où est-ce qu'il avait trouvé ce décor, parce que j'étais convaincu que c'était un décor complètement fantaisiste. Mais en fait, pas du tout, c'est le décor du DL-260, du seul DL-260 qui existe. Un avion qui a participé au championnat du monde de voltige à Yverdon cet été, avec comme pilote Christian Lesage et Brigitte Delassalle. Ils sont pas mal placés du tout d'ailleurs. Et je pense que DL doit venir de la salle de ça. Vraisemblablement, effectivement. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les deux avions essayent de faire un vol de patrouille, encore une fois, complètement improvisé sur le terrain. Et ma foi, c'est pas si mal que ça. Comme on le disait précédemment, c'est vraiment pas mal hein, comme simultanéité de figure. Il faut dire que les deux avions sont très proches l'un de l'autre puisqu'ils sont tous les deux issus d'un kit Dolé. Le DL-260, en fait, c'est une modification du TR-260. Gérard Feuvray. Bon, les deux avions sont très très proches, ils sont à la même échelle, au tiers. De plus, je crois qu'ils étaient motorisés par le même moteur, un Titan 63 cm. Ça s'appelle comment ça, ce genre de figure, Patrick ? Le nœud cravate. C'est bien ce qui me semble. Magnifique tonnelant. Oui, c'est Michel Moisan qui nous présente dans son avion. Et Michel Moisan est président d'un club, un petit club qui se développe tout doucement et qui marche très très fort avec un avantage, c'est qu'il y a énormément de jeunes. Et alors, pour les jeunes qui regarderont sûrement cette cassette, je voudrais leur dire plein de choses pour qu'ils fassent du modélisme et qu'ils deviennent comme lui après. Ils ont un bon professeur, hyper sympathique en plus. Ça, c'est vraiment de la voltige de démonstration. Ça passe très bas. C'est très très impressionnant. Et on sent en plus que Michel aime vraiment ça. Il se défoule complètement. Oui, il avait. Michel, c'est un modéliste né, de toute manière.
Et il avait fait un compte il y a relativement longtemps, quand il faisait surtout du multi. Et il avait compté le prix de revient d'une heure de vol en multi. Et asseyez-vous, c'était 800 francs. De l'heure de vol ? De l'heure de vol. C'est impressionnant. Tout compris, y compris les déplacements, les frais de l'avion, le plein, enfin tout. Et en fait, une heure de petit gros, ça revient pas plus cher. Ça revient pas plus cher du tout. Un magnifique tonneau à 38 000 facettes à peu près. Effectivement, ça ne doit pas revenir plus cher parce que les moteurs à essence, bon, ils utilisent de l'essence et c'est pas du tout le prix du méthanol. Oui, mais c'est pas l'essence qui rentre, c'est pas le carburant qui rentre en jeu dans le coût d'une telle opération, c'est surtout la fabrication de l'avion, les frais de transport, les frais de déplacement, et ça, c'est ce qui coûte le plus cher. Deux générations de modèles sur la même image. Un biplan de 14-18, et puis, vous l'avez tous reconnu, un DC-3, le DC-3 d'Andreas Geist. Enfin, pas vraiment le DC-3 d'Andreas. C'est un nouveau DC-3. Il aime tellement cet avion qu'il en a reconstruit un second. Jusqu'où s'arrêtera-t-il, on se demande. Celui-ci porte une livrée différente, l'ancien était Lufthansa, celui-ci est complètement argenté. En fait, c'est la maquette du prototype du Douglas DC-3, le Douglas DST. Ce qui explique en fait que les fuseaux moteurs sont un peu différents, le nez aussi, c'est pas exactement le même engin que l'ancien. Toujours est-il que le vol est parfait. A noter aussi que le train rentrant fonctionne aussi bien que sur l'ancien modèle, évidemment, puisque c'est le même train. Il a démonté le train de l'ancien Dakota pour le mettre sur celui-ci, et l'ancien Dakota en ce moment attend un nouveau train. Il sera peut-être encore plus conforme à l'original que celui-ci. En revanche, Andreas a abandonné le moteur Sedal. Alors je lui ai demandé pourquoi. C'est pas une question de puissance, c'est une question de bruit. Beaucoup de ses amis lui ont dit que les Sedal avaient un moins beau bruit que les moteurs 4 temps qu'il utilisait au préalable. Il a donc remonté des OS Gemini Twin de 26 cm3, qui entraînent donc des hélices nylon Gropner de 16x8. Et comme l'ancien modèle, celui-ci est équipé de deux démarreurs FEMA. C'est toujours très spectaculaire de voir l'avion démarrer par ses propres moyens. Autre tour de force, ce modèle a été construit en 4 mois. Un avion de 4m83 d'envergure, je vous laisse apprécier la performance. Ça fait un peu plus d'un mètre par mois. Mais j'en connais qui construisent des avions d'un mètre d'envergure et qui mettent presque un an pour les construire. Voilà, c'est magique. On brasse un petit peu le moteur, on appuie sur le bouton et ça démarre tout seul. La route est grande ouverte devant le Dakota, qui est une des vedettes, on peut le dire, de la rencontre de la Ferté. Sans doute l'un des modèles les plus attendus par le public. Par le public et par les modélistes, parce que vous voyez que bon, cet avion, c'est vrai qu'il n'est pas en structure, c'est vrai qu'il est en polystyrène, coffret tout simplement, mais le vol est majestueux et il fait baver pas mal de monde. Il faut dire aussi que dans le public, il y a une bonne proportion de modélistes. On le voit quand les évolutions sont spectaculaires d'un point de vue pilotage, souvent le public applaudit au bon moment. On a vraiment la sensation que le public est connaisseur. C'est pas un public de badaud. C'est vrai. Vous aurez pu noter la brillance du recouvrement de l'avion. Il est entièrement recouvert en aluminium. Le vrai était en aluminium. Mais, comme le disait fort justement Jean Rousseau dans la cassette des championnats d'Europe Maquette, pour reproduire l'aluminium, il n'y a qu'une solution, c'est l'aluminium. La peinture, ça marche pas du tout, ça donne pas le même brillant, ça donne pas le même aspect. Et en plus, il faut savoir que l'avion, le vrai, justement, Andreas m'en a dit deux mots, je m'étonnais qu'il ne l'ait pas fignolé au point de vue vieillissement comme son ancien Dakota Lufthansa. Il m'a dit, mais tu sais, cet avion, il n'a pas vécu longtemps, en fait. Il a fait quelques vols et après il s'est crashé. Ce qui fait qu'il n'a pas eu le temps de vieillir, et c'est pour ça que je l'ai fait dans un état pratiquement neuf. À souhaiter que le modèle n'ait pas le même avenir. Quand on le voit voler, on peut se dire qu'il a encore un bel avenir devant lui. L'ancien Dakota a quand même à peu près 400 vols à son actif maintenant.
aucune raison pour que celui-ci vole moins bien ou soit moins sûr. Sortie des trains, une lenteur tout à fait réaliste. Les trains sont assez résistants et surtout très très fiables sur ce modèle. Évidemment, il faut dire que quand on pousse comme ça, même un train fragile, ça doit résister quand même. En plus de ça, c'est une plume, ça pèse 19 kg pour la surface qu'il a, c'est un planeur presque. Notre atterrissage avec un petit rebond, c'est vraiment pas habituel. Bon, ça devait être la bosse de la Ferté, bien connue. Oui, la fameuse bosse. La fameuse bosse. Oui, Andreas aussi, il a une autre. Il nous a dit un petit quelque chose lors de ce meeting, c'est que sur le plan organisation, ça n'avait jamais été aussi bien. Alors ça, on en a pris bonne note, parce que je pense surtout que c'est le coup des parcs avions, ainsi que l'entonnoir qui ont fait énormément pour qu'il ait cette réflexion. Certainement. En revanche, au niveau du public, je crois que ce qui a été très apprécié aussi, c'est les commentaires de Claude Gerbert, qu'on vient de voir, qui a été secondé cette année par Jean-Louis, mon collègue, qui nous a surpris. On ne connaissait pas ce talent-là. Le T6 d'Henry Wild, avec ses grandes jambes. Réalisme saisissant. Le bruit peut-être pas, mais pour ceux qui ont vu voler le T6 à la Ferté, c'est vraiment ça. Celui-ci, c'est pas le même. C'est un T6 qui appartenait à un Hollandais. Vous noterez la différence de hauteur des jambes de train par rapport à celui d'Henri. Celui-ci me semble plus proche de la réalité. Mais il faut bien remarquer que les jambes du T6 ont une particularité, c'est qu'elles se détendent énormément quand l'avion décolle. Alors peut-être que celles d'Henri sont justes, au point de vue longueur détendue, quand il rentre le train. Ce sera vérifié. Enfin, longue ou pas longue, ce sont deux avions qui volent très très bien. Et là encore, un simulacre de vol de patrouille. C'était le plaisir de beaucoup de pilotes cette année d'essayer de faire de la patrouille. Oui, tout comme l'année dernière d'ailleurs, après le vol du Magic Team. Il y a beaucoup de modélistes qui sont devenus patrouilleurs, comme ça, d'un seul coup. Et je pense que ce qui manque énormément à l'aéromodélisme pour faire du vol de patrouille, c'est le fait qu'on est trop individualiste. Et si on pouvait voler à plusieurs en même temps, c'est une contrainte, c'est vrai, mais on devra arriver à faire, pas comme ça, mais comme fait le Magic Team. Oui, là, c'est étonnant d'Henri, ça. Une nouveauté d'un modéliste bien connu à la Ferté, qui présente toujours des avions magnifiques. Bien connu à la Ferté, Orléans aussi, parce qu'il était venu avec un PZL Crook à la Saussaye. Ensuite, il nous avait présenté un, rappelle-moi Laurent, un Boeing P12, il me semble. Un Boeing P12, et cette année, il est venu avec un Morane 406. Un modèle impressionnant, quand même, au niveau dimension. Il fait presque 3 mètres d'envergure. Comme vous pouvez le remarquer, la finition est vraiment superbe. Pourtant, j'ai un petit doute. Il me semble bien que les avions français de cette époque avaient un camouflage fondu sur les bords des couleurs, alors que le sien est tout à fait net. Enfin, c'est pas bien grave. Et puis, comme il nous l'a dit, son but, c'était de gagner un trophée cette année à la Ferté. Oui, il a décroché le trophée du plus bel avion français. Et en lui remettant son trophée, il m'a soufflé dans l'oreille. J'étais venu que pour ça. Comme quoi, la renommée de la Ferté à l'extérieur de nos frontières, c'est les trophées avant tout. C'est vraiment devenu la Ferté, la rencontre dont les récompenses sont représentatives au niveau européen. Tout à fait. Les évolutions du Morane 406, on dirait vraiment un chasseur, il n'y a pas de doute. Oui, mais enfin, je dois souligner que si le vrai Morane 406 volait comme ça à l'époque, je crois que les Messerschmitt 109 n'avaient qu'à bien se tenir. Effectivement, oui.
Ce qui est étonnant, c'est vu la grande taille de ce modèle, parce que 3 mètres d'envergure, son poids 17 kg, c'est qu'il vole aussi bien avec un moteur qui ne fait que 68 cm3. C'est un King bicylindre, mais c'est étonnant justement la vitesse à laquelle il vole. Il vole vite et il se pose vite aussi. Pourtant, il a des volets d'atterrissage, mais ça n'a pas suffi. Hein. Non, Trader a réparé dans la nuit du samedi au dimanche et a pu revoler dimanche. Encore un modèle que je ne vous présente plus, le Focke-Wulf 190 de Jacques Desbrosses, piloté comme d'habitude par Jean Birinte. Et qui, comme d'habitude, s'améliore d'année en année. Une des plus fabuleuses machines de la rencontre, des rencontres de la Ferté qui ont la vie pensière tous les ans. Voilà encore un autre modèle qui est une petite merveille de mécanique. Lui non plus ne connaît aucune défaillance au niveau du train d'atterrissage. Oui, il a jamais il a fait de faux bonds. Malgré les rebonds et tout ça qu'il peut y avoir, même des travers qu'il a fait de temps en temps, jamais le train n'a pris. Cet avion, si on le voit pour la troisième ou la quatrième fois, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que faire un avion comme ça, on ne peut pas se permettre d'en faire un tous les ans. Et l'année prochaine, normalement, l'équipe du Nord devrait présenter un nouvel avion. Je vous mets un tout petit peu sur la voie, c'est un bimoteur. Et il devrait normalement être présent au salon du modèle réduit sur le stand de Lima. Il devrait aussi être monstrueux. Plus monstrueux que le Focke-Wulf. C'est tout dire. Le Vilga de JME. Alors JME, bah, c'est René Hoff et Monsieur Schmitt qui nous proposent donc un kit de Vilga très très bien fait. Un petit peu dans le style des kits Tony Clark d'ailleurs. Le fuselage est en fibre sur celui-ci, mais l'aile est effectivement en structure. On voit le rapport poids-puissance avec un moteur de 60 cm3 à peu près. Un titan. Des évolutions tout à fait surprenantes. C'est vraiment le petit gros de début idéal. Et je pense qu'on vous le présentera bientôt en détail dans RCA. Le Starlet de Dupré. En effet, le Starlet, un avion bien plus célèbre en modèle réduit qu'en aviation grandeur, puisqu'il s'agit d'un avion de construction amateur qui a été fait à quelques exemplaires seulement aux États-Unis. Pourquoi est-il si bien connu en modèle réduit? Tout simplement parce que Grobner en est sorti il y a maintenant 5 ou 6 ans une boîte de petite taille. Rien à voir avec celui-ci. Celui-ci fait 3 mètres d'envergure. Alain Dupré, il aime faire des très très grosses machines. Et cette année, il était venu avec un Dornier 28 de 4,40 m d'envergure, de 30 kg. Il n'a hélas pas pu le faire voler pour la simple raison, c'est que dans son enthousiasme pour venir à la Ferté, il en a oublié la dérive. Gros problème. Il vole moins bien. Ça, c'est le moteur du Curtiss Gulf Hawk de Crochet. On a eu au statique l'année dernière. Cette année, il a volé. Un avion tout bois, magnifiquement fini. Oui, Christian Crochet, c'est aussi un fidèle de la Ferté. Il avait décroché il y a 4 ans le trophée junior, je crois, il y a 3 ans. Enfin, c'est un très très jeune pilote et qui nous fait de pures merveilles à l'heure actuelle. Et il promet. Alors, un autre qui promet, ou plutôt qui tient ses promesses, c'est le constructeur de ce Polycarpov PO2. Il s'agit de Serge Natanek. Alors Serge Natanek, il vient de loin, c'est un Français, mais il vit en Allemagne. C'est un spécialiste très connu outre-Rhin du vol électrique. Mais il s'est lancé dans le petit gros, et avec bonheur, quand on voit la qualité de son Polycarpov, on peut rester qu'admiratif devant la finition. C'est aussi un excellent pilote. Et vous voyez que lui aussi, malgré le vent de travers, il arrive à faire un décollage magnifiquement réaliste. Malheureusement, ce modèle mériterait un moteur en étoile, un Cedel par exemple, mais là, il s'agit d'un Titan 62 monté tête en bas. Ça dénature un peu la maquette, c'est dommage. Magnifique, regardez un peu les palonniers fonctionnels.
Ah, c'est une sacrée allure en vol, ces biplans, quand même. Un énorme stamp d'un Belge, Monsieur Breul, qui fait voler cette chose dans un mouchoir. C'est absolument fabuleux de voir les évolutions de ce stamp dans si petit espace. Il est énorme, ce stamp. Il fait 3 mètres d'envergure. Pour un biplan, je peux vous assurer que c'est absolument énorme, puisque ça fait une échelle de 1 sur 2,8. Il est plus gros que le tiers. Et regardez un peu comment ça se mène, de cette taille-là. Un vol tranche qui n'en finit pas. Ce modéliste a été invité à La Ferté par Jean Birinx, le pilote du Focke-Wulf. Il l'avait vu voler dans des meetings qu'il a fait dans le nord de la France et en Belgique. Il avait été impressionné, il me l'avait dit d'ailleurs avant qu'il vole, surtout ne le loupe pas, tu vas voir, ça va être quelque chose. Je crois qu'effectivement Jean avait l'œil du connaisseur, parce qu'on est vraiment resté étonné par la présentation de ce stamp. Surtout que la plupart des figures, on le voit mal ici, mais étaient faites à une altitude vraiment dérisoire. Le Tiger Moss de la Meusan. Un avion vu à maintes reprises maintenant. Voilà le stamp qui se pose. Il est équipé d'un moteur Steel de 111 cm3. Il faut bien ça pour emmener l'énorme bête. Une machine qui était présentée encore pour la première fois à La Ferté, un Liberty Sport. Alors encore une fois, on a affaire à un biplan de taille tout à fait considérable. Imaginez un peu qu'il est presque à l'échelle d'une mie, cet avion. Il mesure pas loin de 3 mètres d'envergure, 2,80 mètres d'envergure, c'est absolument énorme pour un biplan. Et alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on commence à voir des avions de cette taille-là en biplan depuis qu'il y a des moteurs qui permettent de faire évoluer des machines qui ont une telle traînée. Et je pense en particulier au 3W bicylindre de 120 cm3 dont il était équipé. Un Sukhoi, énorme celui-ci aussi. Oui, c'est vrai, cette année on voit pas mal de gros modèles quand même, les surmotorisés, comme quoi vraiment du côté de la motorisation il y a eu de gros progrès ces dernières années. Le moteur n'est plus du tout un problème pour un petit gros maintenant. C'est un jeune pilote qui avait ce modèle, il s'appelle Müller, c'est un Allemand lui aussi. Effectivement, c'est un gros Sukhoi puisqu'il fait lui aussi 3 mètres d'envergure. Il est à la limite puisqu'il fait 24,9 kg. Il est motorisé par un King Twin de 120 cm3, le moteur dont je parlais précédemment. Müller a eu pas mal de problèmes d'ailleurs de moteur, surtout pour le démarrage, et il a passé pas mal de temps dans l'entonnoir à se battre avec son moteur pour pouvoir voler. Un autre Sukhoi, plus petit, peut-être plus raisonnable, celui de Christian Nielsen. Ça part très fort. Celui-ci est à l'échelle du tiers, il mesure 2,40 m d'envergure. Et un Lomme Slovaque. C'est un avion qui passe particulièrement bien au Lomme Slovaque. Bon, il faut dire que cet avion appartenait auparavant à Laurent Lombard. Et Laurent m'avait dit que c'était le seul avantage qu'il trouvait à cet avion par rapport à son Cap 230, c'est qu'il passait beaucoup mieux au Lomme Slovaque. Par contre, il était moins précis dans les autres figures. Mais ça n'a pas l'air de beaucoup gêner Christian, qui manie vraiment maintenant très très bien. Et qui, pour du vol de démonstration, fait exactement ce qu'il faut faire pour impressionner le public. Oui, c'est un pilote du genre Moisan, d'ailleurs. C'est un excellent pilote français aussi. Et il nous fait des choses absolument fabuleuses avec son Sukhoi. Le Sukhoi qui reste encore à l'heure actuelle le tout meilleur avion de voltige, disons à égalité avec les Cap 230 et 231. Mais c'est vraiment une machine extrêmement impressionnante. Très trapu, un avion qui sort de l'ordinaire.
un autre Fiederstorch, mais ce n'est pas le fameux Fiederstorch de Wagner. C'est un autre Fiederstorch, plus petit, qui avait été construit par un modéliste très jeune, lui aussi, allemand. Et vous allez voir, voilà, la grande spécialité de ce pilote, c'était de faire des évolutions au ras du sol, mais vraiment à une vitesse dérisoire. Le réalisme en souffre un peu, mais ça n'enlève pas les qualités du pilote. Je suis malheureusement incapable de vous dire le nom du pilote, parce que comme beaucoup d'autres, il ne s'est pas inscrit cette année. On n'a pas les caractéristiques de son avion, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au vu des images, on peut penser qu'il ne devait pas être très chargé au décimètre carré. Parce que même avec le vent qu'il y avait ce week-end-ci, pour rester comme ça en stationnaire, il vaut mieux avoir un avion sain et très très léger. Bon, on voit encore une fois que la motorisation est tout à fait à la hauteur. Il reste le nez pointé dans le ciel, c'est un hélico, c'est plus un avion, les ailes ne servent plus à rien. Les avions qui sont capables de ça doivent quand même se compter sur les doigts de la main. Je pense pas que dans tous les clubs on puisse trouver des modèles aussi motorisés que ça quand même. Il pourrait rester indéfiniment comme ça. Et voilà un atterrissage avec la souplesse caractéristique du train du Fiederstorch qui empêche le moindre rebond. En voici encore un autre de Fiederstorch, celui du français Sobry. Il mesure 3,15 m d'envergure quand même et il utilise un 38 cm3 titan réducté, la même motorisation que les kits Tony Clark, et il pèse seulement 11 kg. Le Fiesler, c'est un avion qui est réaliste et qui vole bien, quelle que soit la taille. Et c'est pas l'atterrissage que vient de nous faire Wagner sur cette image qui prouvera le contraire. Des beaux planeurs, ça nous maintient un peu à la Ferté quand même. Et cette année, on a été servi. Il y avait Snorsu Minimois, il y avait un Kestrel, il y avait un ASK 21, je crois. Enfin, il y avait des bêtes absolument merveilleuses. De ficelle, mais voilà, c'est réglé. Et je dois dire que le Minimois, le pilote nous a impressionné par ses prises de terrain. Alors ça, je vous laisse regarder parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Quant à moi, je voudrais que vous regardiez bien ce décollage, cet attelage qui a un réalisme absolument parfait. Des attelages comme celui-ci, il ne doit plus y en avoir maintenant de nos jours, à part dans les rencontres de vieux planeurs. Mais en Allemagne, pendant un moment, ça a dû se voir pratiquement quotidiennement. Il n'y a pas qu'en Allemagne, en France aussi, j'ai fait du Nord 1300 et j'étais remorqué par un Storch. Enfin, des Minimois, il y en a eu moins en France quand même. Un Minimois, j'aurais bien voulu voler dessus. C'était la Rolls à l'époque. Très très caractéristique, avec son élan mouette et ses ailerons débordants au bord de fuite. C'est peut-être le plus beau des planeurs rétro. Celui-ci porte la décoration d'un planeur qui vole encore à l'heure actuelle, qui était présent au rassemblement de planeurs anciens à Bourges. Il appartient au baron Von Hart, un Suisse. Et enfin, le réel est magnifiquement bien restauré. L'intérieur, c'est vraiment incroyable. Le tableau de bord est en ronce de noyer, pour vous donner une idée. Et le siège est en cuir. C'est rare dans un planeur. Voici les fameuses prises de terrain dont parlait Patrick tout à l'heure, avec le saumon à 20 cm du sol. Très impressionnant. Vous allez pouvoir constater que c'était pas le fruit du hasard, puisqu'il l'a refait à chacun de ses vols, pratiquement. Je vais montrer la taille de la bête, quand même. On est loin du Kit Creek qui fait 3,25 m d'envergure. Là, la bête, elle fait pas loin de 6 mètres. Et encore une prise de terrain à décapiter les taupes. Et voilà le très impressionnant SK21 de Philippe Herter. Une maquette française
construite pour l'instant à deux exemplaires, c'est René Hoff qui possède l'autre. Une machine à échelle 1,2,5. Ça la fait à 6,80 m d'envergure et presque 25 kg. On dit presque en catégorie 3. En revenant, le fournier de moustache, avec une petite particularité néanmoins, c'est qu'il est certifié maintenant. Ce qui prouve que la certification, c'est pas ce qu'on pense du tout, c'est quelque chose de très très simple, il y a un petit dossier à faire, on passe devant l'aviation civile et puis on est certifié si l'appareil n'est pas un piège. C'est loin d'être le cas pour le fournier, une machine qui vole admirablement bien. Je vous laisse apprécier le réalisme. Cette fois-ci, le train a tenu. Le Piper Pony qui avait connu de gros problèmes l'année dernière, si vous en souvenez, si vous avez vu la cassette, est revenu, reconstruit cette année. Il traînait une magnifique banderole. Je vous en rappelle les dimensions, puisqu'elles sont assez étonnantes, assez impressionnantes. Et à échelle du tiers, ce qui fait 3,64 m d'envergure. Malgré ça, il ne pèse que 19,5 kg. Il faut rappeler que les Allemands n'ont pas le droit, théoriquement, de dépasser les 20 kg pour leur petit gros. Et il est motorisé par un solo twin de 100 cm3. Le plus jeune de la rencontre, qui est passé avec son rallye, et le plus éloigné, notre ami Magrin qui vient de Lima au Pérou. Alors Edgar Magrin présentait un kit qui a à l'heure actuelle un succès fou aux États-Unis. C'est un kit SIG, une marque bien connue, qui ne faisait pas de nouveautés depuis un bon moment, mais là j'ai l'impression qu'ils ont réussi un coup de maître avec ce Skywalker, qu'on va voir dans quelques instants. Là c'est un Jibi. Patrick, c'est peut-être le moment ou jamais de parler des courses de racers que Lima essaye désespérément de lancer, mais je crois que c'est bien parti. Désespérément non, parce que cette année, on a eu une météo clémente, et on ne peut pas dire que c'était la Ferté à Cerdon, non, pas du tout, mais il y a eu des courses de racers en petit gros, et je dois avouer que c'est quelque chose d'assez merveilleux. Ah, c'est bon, vraiment... Il en manque encore un petit peu, il n'y a pas encore assez de racers en petit gros, mais ça vient progressivement. C'est comme tout, il faut un début à tout, et puis faut pas se presser surtout. Ouais. Ce qu'on a pu voir à Cerdon, c'était vraiment prenant. C'est le bruit des 5 moteurs là, à fond à la caisse, à se tirer la bourre autour des deux pylônes, c'était un spectacle jamais vu chez nous. Et vraiment, on espère que ça se reproduira, parce que c'est très 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 spectaculaire. L'atterrissage un petit peu brouillon du Skywalker. Vous allez voir. Après le rallye, là, voilà, il redémarre. En effet, cet avion était équipé d'un démarreur FEMA et qui redémarrait donc l'OS Gemini, un OS Twin, 4 temps. Vous noterez la finition de ce modèle. La livrée est une livrée réaliste. Je crois que l'avion réel est vraiment décoré comme ça. Ça, c'est un BO-109 Mosson qui était de passage par là. Je peux pas vous en dire plus, j'ai pas ses caractéristiques. Oui, il faut noter que cette année, on a fait le bilan, il y avait un peu plus de 130 avions, mais quand on regarde le nombre d'avions qui n'étaient pas inscrits, on peut dire qu'on frisait les 150 allègrement. Ah, notre séquence frisson. Oui, alors là, regardez bien, l'avion fonce droit vers le public. Heureusement, il s'est arrêté en temps, quoi. Il s'agit de notre ami espagnol. Oui, l'espagnol Carlos Landa qui, d'année en année, faisait des progrès. Moi, j'avais pu noter, mais là, il nous a fait une peur du tonnerre. Et je crois que tous les progrès qu'il avait fait les temps passés sont remis à zéro par ce frisson qu'il nous a donné. En fait, par la météo, parce que le problème, c'était le vent de travers. Et l'avion s'est mis dans le lit du vent, le vent venant du dos du public. Et effectivement, il s'est retrouvé face au public.
un petit gros issu d'un kit, c'est suffisamment rare pour être signalé quand même. C'est le Cessna Decathlon de Roland Benoît, un modéliste du sud-ouest. C'est une boîte pilote donc de taille raisonnable, mais qui permet, comme vous pouvez le voir, une approche particulièrement fidèle de l'avion grandeur. On a vraiment affaire à une semi-maquette pratiquement en état concours là. Les portes s'ouvrent, toutes les petites ferrures sont représentées, vraiment très très bien fini ça. Alors ça c'est pas un avion, c'est un truc qui vole, bon bah c'est gros, c'est énorme. C'est un Allemand qui a fait le déplacement, il fallait quand même pas l'empêcher de voler. Enfin disons qu'à l'humain on n'est pas fanat de ce genre de choses. Hein. C'est vrai que c'est étonnant, je pense, et j'espère que ça plaît au public. Mais je préfère tellement voir une belle maquette. Évidemment, vous avez tous compris que c'était la reproduction d'une flèche en papier. Pour une fois, l'échelle s'exprime à l'inverse de l'habitude, puisque c'est un truc à l'échelle 5, là. 10 même, peut-être bien. Je ne sais pas exactement, ça dépend de la feuille de papier que vous prenez. Une pièce à voler, ou un cajou à voler, comme vous voulez, bah non, c'est pas ça, c'est une semi-maquette. Alors ce qu'elle a d'impressionnant, cette semi-maquette, c'est pas son esthétique, c'est moins qu'on puisse dire, c'est la semi-maquette d'un ULM américain, le Minimax. Surtout ce que ça a d'impressionnant, c'est sa taille, c'est l'échelle 1,5 quand même, donc ça fait 3,80 m d'envergure. Ça pèse seulement 17 kg et c'est entraîné par un titan de 62 cm3. Je pense que le rapport poids-puissance doit pas être très très loin de l'original. C'est un modèle qui a été construit par Richard Leckenheimer, un modéliste allemand qui nous avait plutôt habitué à présenter des avions beaucoup plus beaux que ça, dans le genre Voyager de Rutan. Au décollage maintenant, c'est le Beechcraft Duke 60 de Hubert Imbach, jeune modéliste français bien connu dans le milieu de l'IMA. Il est toujours prêt à donner un coup de main quand vous avez un problème de moteur, il est toujours là. Il y a quelques années, ce biche, ça aurait été un gros modèle réduit. Malheureusement, maintenant, avec ses 2,25 m d'envergure, c'est un tout petit, petit gros. Il a quand même nécessité 2000 heures de construction, comme quoi le temps de construction n'est pas proportionnel à la taille. Et il est motorisé, comme vous le voyez ici en gros plan, par 2,90 m 4 temps et demi. Hubert, à une époque, avait pas mal d'avions et il a eu un énorme coup de malchance, c'est qu'il y a eu le feu dans sa cave, là où il y avait ses avions. Et malgré tout, il a pu sauver quelques pièces, mais ça a énormément retardé sa progression en modélisme. Celui-ci, je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est le Saab SF340 d'Henry Wild, notre ami Bernois, un modèle absolument extraordinaire. Pas de problème de train cette année, pour la simple raison que il a décidé de les laisser sortis. Alors il y a une raison, Henri n'est pas le style de pilote à ne pas vouloir prendre de risques en ne rentrant pas les trains pour voler. Mais là, il y avait quand même un petit quelque chose. C'est que cet avion doit être présenté au mois de novembre, début novembre à Las Vegas, au show du QSA dans le désert du Colorado. Et il avait visiblement pas envie de prendre trop de risques, alors il a vraiment tout fait pour faire des vols avec un maximum de sécurité. Oui, il faut dire que les vols de la Ferté étaient les derniers de la saison pour Las Vegas. Dans cet avion, on attend sagement dans sa caisse de prendre un 747 pour traverser l'Atlantique. Un petit rebond sur la fameuse bosse de la Ferté. Alors à noter quand même que à Las Vegas, Henri représentera aussi la France, malgré qu'il soit suisse. Il est licencié à la FFRM. C'est une bonne nouvelle. Je ne le savais pas, mais c'est une bonne nouvelle. Alors un merveilleux avion, c'est le Pete Seinbach qui avait brûlé. Le fuselage avait pu être sauvé à temps, mais les ailes étaient complètement grillées. Enfin, la poisse quoi. Eh bien Hubert, il l'a refait. Et il est aussi beau qu'avant. La peinture est absolument magnifique, je pense que vous avez pu voir la licorne dessinée sur le côté du fuselage, entièrement fait à l'aérographe. Vous voyez que Hubert n'est pas vieux, mais il a déjà une certaine maîtrise, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera sans doute dans les années à venir un des tout bons
D'autant plus que je crois savoir qu'il a des projets assez grandioses. Un bimoteur français, je peux pas vous en dire plus, mais ça devrait être une sacrée machine. C'est pas une Volvo, c'est un Pitz. Alors des Pitz, hein, bon bah si à une époque on n'arrivait pas à les faire voler, c'était essentiellement les problèmes de moteur. Tout comme on disait tout à l'heure, les biplans avaient des problèmes de motorisation. Ce n'est plus le cas du tout maintenant et on voit des Pitz énormes, absolument déments en taille, qui volent à merveille. Pourquoi ? Pour la simple raison, c'est qu'il y a des chevaux devant. Bon, on ne devrait pas vous le dire non plus, mais je pense que l'année prochaine, il y aura le plus énorme Pitz qu'on ait jamais vu présent à la Ferté. Il est construit par un modéliste dont on vient de parler il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas vous le dire non plus, mais ce sera la surprise. Directement dérivé du Pitz, les Crystal Eagle, bien entendu. Monumental. Et monumentalement motorisé. Ça va de pair. Il était déjà présent l'an dernier, celui-ci. Il appartient au frère d'un des deux pilotes du Magic Teams, Helmut Fuchs. C'est un 120 le moteur, si ma mémoire est bonne. C'est un 3W Twin 120, il me semble bien, effectivement. Le modèle fait quand même 2,50 m d'envergure. Il est issu d'un kit qui est une exclusivité du magasin Kuhlmann à Dortmund. C'est pour ça qu'on le voit exposé chaque année au salon de cette ville. Bon, la plupart d'entre vous ont déjà deviné ce que sont ces avions. On en a beaucoup parlé dans la presse, après la Ferté déjà. Ce sont les Ultimates. Les Ultimates du Magic Team. L'année dernière, rappelez-vous, ils étaient venus avec des Super Chipmunk. Cette année, ils ont changé de monture. Ils ont changé de dimension aussi, parce que les Ultimates sont encore beaucoup plus impressionnants que l'étaient les Super Chipmunk. Et ils sont encore motorisés par des moteurs beaucoup plus hauts. Là, ce sont carrément des quadricylindres 3W de 140 cm3. Et il n'y a pas de doute, ça arrache. Alors, on peut noter aussi que le vent, ça ne les gêne pas tellement, finalement. Parce que si l'année dernière, ils nous avaient fait une présentation qui était absolument sublime, là, le vent, on ne le sent pas à la télé. Et sur le terrain, je vous garantis que réaliser ce qu'ils font à l'heure actuelle, sous vos yeux, c'est un véritable tour de force avec le vent de travers qu'il y avait à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce que m'a raconté le constructeur des kits de ces avions, monsieur Frisch, un Allemand donc, c'est que les deux pilotes n'avaient pas du tout en main les appareils. Ils avaient moins de 40 vols à leur actif avec les Ultimates et ils n'avaient que 3 meetings derrière eux, un à Berlin, à Gank et celui-ci, celui de la Ferté. Autrement dit, on a trouvé ça extraordinaire. Mais dans quelques années, dans quelques temps, ce sera encore plus extraordinaire que ça. La simultanéité des figures et tout sera peut-être encore meilleure, c'est tout dire. Ça laisse rêveur. Voici justement le moteur en question. Avec les autres productions de 3W. Ce sont vraiment les moteurs qui ont la cote en ce moment, Patrick. Ouais, 3W il a la cote, à part un petit problème malgré tout qu'on rencontre en France. Je sais pas s'il était résolu par la maison 3W, mais ce sont des problèmes d'allumage. Et l'allumage des 3W n'est pas d'une fiabilité à toute épreuve. Nous revoici le lendemain pour un autre vol donc de Magic Team. Vous noterez le roulage qui est tout à fait synchrone lui aussi. Et voilà la montée verticale. Des machines extrêmement impressionnantes puisqu'elles sont à l'échelle 1,2,5. Vraiment magnifique. Tous ceux qui ont essayé de faire du vol de patrouille comprendront tout de suite la difficulté de ce que nous sommes en train de voir à l'heure actuelle. Les dimensions des avions, 2,35 m d'envergure, ils pèsent 19 kg. Yeah.
Le décor est totalement fantaisiste en revanche, mais très très spectaculaire, très bien visible en vol, c'est le principal. Et encore une fois, comme sur les Super Chipmunk, ce qui peut surprendre, c'est que les deux avions sont exactement décorés pareil. Alors pas de vol de patrouille sans de coordinateur, si on peut appeler ça comme ça, le troisième homme. Parce que sinon, bah, c'est une pagaille du tonnerre et on n'y arrive pas. Ce qu'on nous a dit aussi, c'est que les deux pilotes là ne prenaient pas de risques. Je vous laisse imaginer ce que ça peut être quand ils prennent des risques. Il nous a dit qu'ils prenaient pas de risques parce que les avions étaient justement tout neufs, ils avaient à peu près 3 mois. Et évidemment, Fouché Bros ne tenait pas du tout à les casser avant la fin de la saison parce qu'ils avaient encore un programme de meeting assez serré à tenir. Je suis malgré tout surpris qu'ils en aient pas un secours quand même. Alors, je pense que c'est une question de coût. Ne serait-ce qu'au niveau du prix du moteur, ça doit être assez impressionnant quand même, je pense. Apparemment, ils sont pas sponsorés, hein. C'est quand même une équipe entièrement amateur. Non, je parle pas du moteur, effectivement, qui coûte une somme astronomique. Mais au moins avoir une cellule d'avance, au cas où il arrive quelque chose, pour parier, pour être prêt au nouveau meeting. Je serais pas surpris que ce soit les deux premiers modèles sortis du moule, hein. C'est un modèle tout à fait récent. Hein. Alors, vous avez noté, là, c'était encore un vol, ils en ont fait 3 ou 4 cette année. Et là, ils ont failli s'accrocher au décollage, mais grâce à leur grande maîtrise, ils ont vite rétabli la situation. Et vous voyez que la simultanéité, c'est pas comme ça au hasard, hein, c'est à chaque vol, c'est parfait. Quand on dit qu'ils prennent pas de risques, évidemment, quand on voit ça, ça laisse rêver. On se demande ce que c'est prendre des risques pour eux. Hein. Ceci dit, si on veut vraiment être pinailleur, on peut effectivement dire que c'était moins serré comme patrouille que l'année dernière avec les Super Chipmunk. Alors, la Ferté, cette année, il y avait une ribambelle d'hélico. Il y en avait plein. Bon, c'est un clin d'œil aux hélicos petits gros qu'on voit toujours pas. Et puis, bon, bah, on a été obligé de laisser voler au moins un hélico. C'est un hélico qui tirait une banderole d'un sponsor. Alors, à partir du moment où on laisse un hélico voler, il est bien évident que la meute, derrière, elle suit. Je pense que pour le public, malgré que ce soit pas le but de la rencontre là, ça plaît au public et puis quand même on a vu un spectacle assez étonnant. C'est exact, c'est vrai, mais il est dommage que les hélicos n'étaient pas de grande taille. Bon, j'espère que l'année prochaine, on verra une petite surprise d'ailleurs à ce sujet-là. On n'anticipe pas. Tout à fait. Celui-ci, là, c'est un BO-105 qui appartient à un Hollandais qui s'appelle Koenen. Qui est un excellent pilote, vous allez pouvoir le constater. Je dirais même qu'il est un peu fou, parce qu'il fait un truc qui est vraiment extrêmement dangereux. On va vous laisser la surprise. Là, c'est une autorotation qui arrive au pied. C'est parfait. Je dirais pas qu'il est un peu fou, je dirais qu'il est fou tout simplement, parce que dans la figure qu'il fait, le moindre problème radio, il est mort. Voilà, étonnant, non ? Une très grande maîtrise quand même, c'est spectaculaire. Ça c'est vrai. Fort heureusement, il faut le dire, au moment où il a volé, enfin au moment où ces images ont été filmées, c'était le dimanche après-midi, il y avait moins de vent quand même, heureusement. Et une autorotation dans la caméra. Enfin juste au-dessus. Non, je crois vraiment que cette exhibition a été très appréciée. Non, c'est vrai que c'est un caïd, c'est sûr. Mais enfin, la bise à son hélico, c'est quand même risqué pour lui. Tout à fait. Donc ça le regarde à la limite. À signaler qu'il nous a quand même dit que l'année prochaine, il viendra avec une machine plus grosse peut-être. Mais tant mieux, tant mieux. Ah, un avion pour lequel j'ai une certaine tendresse, c'est le MiG-31 de Paul Ratajac. Paul, c'est l'animateur depuis son origine de l'association MEC22. MEC22, c'est l'association des fanas d'avions à turbine, de jet. Alors, le MiG-31 est tout en bois, il mesure 1m60 d'envergure et il pèse seulement 11 kg.
Avec deux turbines Myron et deux OS77, il ne faut pas s'étonner que ça pousse fort. Aussi des figures de voltige superbement bien réalisées. C'est tout à fait réaliste. On dirait vraiment un vrai. Une petite anecdote au sujet du MiG. Au salon, il était présent cet avion avec un MiG-29 aussi. Et il y a un diplomate soviétique qui est venu visiter le salon tout simplement. Et il était très très surpris. C'était la première fois qu'il voyait des avions soviétiques si gros sur un stand en France. Les entrailles d'une autre bête du même style, le F-15 Byron. On voit ici le distributeur d'air comprimé pour les trains. C'est une belle mécanique. C'est un beau kit. C'est un kit coûteux, cher, quand on pense qu'il faut donc un train pneumatique, qu'il faut deux turbines, deux moteurs. C'est un modèle qui était présenté par le magasin Speed Model de Saint-Andiol. C'est vous dire si les gens viennent de loin. Maintenant, nous sommes sur le Rafale d'Éric Rantet, le gros Rafale d'Éric Rantet, son biturbine. Éric a en effet conçu un modèle plus petit, qui vole avec une seule turbine. Mais qui aurait peut-être pas eu sa place à la Ferté. C'est exact. Il n'aura pas volé longtemps cette année à la Ferté, Eric. Un petit problème de moteur, je pense. Les turbines, ça pose encore quelques problèmes. C'est pas d'une fiabilité à toute épreuve, quand même. Surtout quand on en a deux. Patrick, je crois que c'était le moment de la Ferté que nous attendions le plus tous les deux, ça. On était les seuls à savoir ce qu'on attendait vraiment. On en avait beaucoup parlé autour de nous, mais les autres ne pouvaient pas imaginer. Ça, c'est vrai que on n'était pas le seul à attendre. Il y avait un monde fou qui attendait, je suis sûr. Et je dois avouer que ça me fait énormément plaisir. C'était pas un petit groupe, c'est vrai, mais bon, bah, c'est un Raptor. C'est la porte ouverte à énormément de belles choses. Le voilà, la bête. Le rêve de tout modéliste est enfin réalisé. L'avion peut paraître banal comme ça, mais croyez-moi, c'est une page d'histoire. Il est banal l'avion, mais il faut qu'il soit banal à la limite pour la simple raison, c'est que ça prouve que ce réacteur se monte sur un avion du commerce. Quoi. Et c'est une performance assez formidable parce que. Et ils auraient pu monter ça sur un avion compliqué ou un avion à la portée de personne et ça n'aurait pas été drôle. Ça aurait été beau à voir, ça aurait été une aventure technique fabuleuse, mais ça aurait été à la portée de personne, donc pas intéressant. Alain Weslick avec l'émetteur qui s'apprête à voler. Juste derrière lui, Michel Serrier, l'inventeur. Voilà l'avion qui se dirige vers la piste. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'est le silence total sur la Ferté LA. Alors je vais pas vous déranger longtemps, je veux simplement vous dire que vous allez observer le démarrage et vous verrez c'est beaucoup plus simple à démarrer qu'un moteur à explosion. Maintenant je me tais, je vous laisse au spectacle. Il va retourner là. J'ai réduit. Hein. Je ne vais pas si près de moi en fait.
Je voudrais juste vous faire remarquer une petite chose. C'est à la fois le silence de ce moteur et l'impression de vitesse. Regardez un peu les nuages défiler derrière. Et le premier vol en public du premier turbo-réacteur modèle réduit prend fin à La Ferté. Extraordinaire. Je pense que vous êtes comme nous, sous le choc de ces images, si je puis dire. Et voilà Alain qui se permet même le luxe de ramener l'avion en action avec le moteur. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors Michel Serrier, c'est le concepteur du réacteur, c'est tout simplement un chaudronnier de métier. Et Alain Weslick, le pilote, c'est un pilote militaire. Contrat rempli, voilà, le turboréacteur de Michel Serrier a volé à La Ferté-Alais. Deux vols ici, et puis un ce matin au Bourget. Tout s'est parfaitement bien déroulé, avec Alain Weslick aux commandes donc. Alors ce turboréacteur, c'est toute une histoire, c'est même une partie de votre vie, puisque ça fait 10 ans que vous travaillez dessus à peu près. Oui, absolument. Ça fait 10 ans que j'ai commencé, disons, pas sur ce moteur, mais sur des moteurs en général. Mais celui-là, disons, c'est celui qui a été fait le plus rapidement et le plus facilement. Et celui-là, vous l'avez construit en combien de temps à peu près? Environ 3 mois de construction et un mois et demi de mise au point. Alors les caractéristiques du moteur au niveau poussé, poids, rendement disons? Ouais, c'est-à-dire normalement il pousse dans les 4 kg, il fait 120 de diamètre et il consomme environ 60 g à la minute, 60 g de propane. Et il pèse 2 kg 200 pour l'instant et les prochains pèseront 1 kg 600, 1 kg 650. D'accord, et le premier vol a été effectué donc sur le même appareil, à peu près un Sagittario donc, et il s'est déroulé à quelle date? Le 5 mai sur le terrain d'Hermes dans les Landes. Et après c'est le 12e. C'est le 12e maintenant qu'on vient de faire, là qu'on vient de voir à l'instant. C'est absolument extraordinaire, sans qu'aucune pièce ait été changée sur le moteur. Non, non, absolument pas. Ce qui prouve quand même la fiabilité absolument exceptionnelle, en sachant qu'il y a à peu près 6 minutes de fonctionnement à chaque vol, à peu près. Un peu plus, un peu moins, ça dépend des vols. Alors Alain, au niveau du pilotage, le turboréacteur, ça donne quoi? Ah ben c'est très très bien, je dois dire, parce que le moteur est très souple d'utilisation. Et peut se placer, à mon avis, sur n'importe quelle cellule d'avion. Et ça donnera donc un plus aux modélistes, donc pour avoir plus de réalisme dans le vol des avions, des jets, exactement. Par rapport au pulso, le gros avantage, c'est qu'on peut moduler la poussée. Voilà, absolument. Bon, disons que l'avantage du pulso, c'est la modulation de la poussée. Donc on peut mettre les gaz quand on veut, on peut voler, moduler les gaz et réduire donc pour l'atterrissage.
Et au niveau pilotage, reprise des gaz, c'est pratiquement immédiat. Bon, disons que là, c'est un petit peu différent de la propulsion à moteur à hélice. Bon, il y a un petit moment d'inertie, donc il faut légèrement anticiper dessus. Mais enfin, comme on dit, c'est pas la mer à boire, c'est à la portée de n'importe qui. Par un pilote de turbine ou de pulso, s'en tire sans aucun problème. Absolument. Et d'autre part, même un pilote d'avion à hélice, bon, sera peut-être un petit peu, disons, gêné au départ, bon, parce que c'est nouveau, mais enfin, disons qu'au bout de 2-3 vols, il sera tout à fait... Alors voilà l'engin, 30 cm de long, 14 cm de diamètre extérieur. Alors est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu plus en détail ? Le moteur est très simple, vous avez disons le corps du moteur, disons le carter extérieur, vous avez le diffuseur des gaz et la tuyère, l'arrivée du carburant, ici qui passe par un échangeur et qui va à un régulateur et au point tout, ainsi va. Ouais. Le réchauffeur, c'est le gaz qui arrive sous forme liquide. Oui, sous forme liquide, et disons qu'il va se vaporiser dans cette partie, disons, dans cette partie annulaire, disons, pour prendre de la température. Alors à l'arrière, tout à fait à l'arrière, on aperçoit un volet qui sert donc à... Ouais, c'est un atténuateur de poussée pour la finale. C'est-à-dire que même quand on est plein ralenti, reste une poussée résiduelle qui permet à l'avion de voler. Et donc pour le freiner suffisamment pour atterrir, il faut mettre ce volet à l'arrière. Voilà, il reste à peu près 450 grammes de poussée. Alors le poids du moteur, on l'a dit tout à l'heure, c'est à peu près 2 kg. Oui, à peu près 2 kg, quoi, 2 kg 200 pour actuellement. Et l'avion pèse 7 kg. Et on a vu que donc avec la poussée qu'avait le moteur, ça lui permettait de voler à peu près à 150-200 km/h à peu près. Oui, à peu près. Très très spectaculaire. Ben, je crois que c'était un des meilleurs moments de la Ferté. Alors on espère qu'on le reverra très bientôt encore en vol et puis qu'il sera dans le commerce aussi très très bientôt. Je crois que c'est le rêve de beaucoup de modélistes. Il faut espérer. On vous souhaite bon courage pour arriver à ça. Merci encore d'être venu. Merci à vous. On y va. Allez les gars, à la grâce de Dieu. Un peu inquiet quand même Michel Serrier avant ce deuxième vol, hein, la Ferté. Effectivement, quand on a autant de public dans le dos, c'est pas une situation facile, d'autant plus que c'était vraiment la première fois que son modèle était présenté devant des gens qu'il ne connaissait pas depuis l'origine. Il sortait un peu de chez lui, là. Oui, ça me paraît logique qu'il soit un petit peu crispé, d'autant plus qu'il avait un petit problème de roulement, si ma mémoire est bonne. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que pendant le vol, donc, j'étais en piste à côté de lui, et... C'était étonnant de voir comment il vivait son moteur. Il expliquait gentiment à Slick, le pilote, donc, diminuer un petit peu les gaz. Je l'entends, le roulement il est en train de venir et tout. Moi j'étais sidéré parce que c'est le genre de choses que je ne serais jamais attendu à entendre. Oui, alors là encore on va se taire parce que les images parlent d'elles-mêmes et puis je crois que surtout ce qu'il faut écouter c'est le bruit de cette année. Moi j'en suis toujours parvenu, ça fait 6 mois maintenant que je l'ai volé pour la première fois. Je suis toujours sur le cul à chaque fois que je vois les images et ça me laisse rêveur. Faut avouer que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Vis-à-vis d'un pulso, à mon avis, la comparaison à l'avantage du turboréacteur, il n'y a aucun doute. Oui, ça, je ne sais même pas si c'est comparable, finalement. On peut peut-être annoncer une bonne nouvelle à l'heure actuelle. Il semblerait que cette machine merveilleuse soit sur le point d'être produite par une firme française en plus, contrairement à ce qui avait été annoncé. À l'heure actuelle, Michel Serrier est en pourparlers avec une société française. On ne peut pas en dire plus, mais on a bon espoir et je peux vous assurer qu'on vous tiendra au courant. Un turboréacteur, qu'est-ce que c'est alors ? Bah, c'est un compresseur qui comprime de l'air, donc l'air qui est aspiré par l'avant du réacteur. On injecte ensuite du carburant dans cet air comprimé, on l'allume, tout ça, ça s'enflamme et ça ressort par l'arrière. Et la différence de température
augmente donc la vitesse des gaz et par conséquent la poussée. Le public, captivé, au moins autant que nous. Pour beaucoup, on l'a dit, c'était une découverte totale. Il y en a beaucoup qui ont dû avoir du mal à s'en remettre et qui ont dû rêver quelques nuits après la fierté de posséder un tel moteur. T'entends pas ? Je m'arrête lui. Un turbo-réacteur, alors donc c'est très très simple, mais il est bien évident qu'il y a pas mal de monde qui galère là-dessus. Et alors pourquoi Michel Serrier l'a réussi lui à faire ? Alors déjà le compresseur, c'est une machine qui est assez délicate à faire, il y a 36 sortes de compresseurs, lui il a pris un turbo de voiture. Tout simplement, la solution de facilité mais qui paye. Et puis les deux autres gros problèmes qu'il a rencontrés, c'est le graissage des paliers, parce que son moteur tourne quand même à près de 100 000 tours minute. Alors ça, c'est son secret. Et puis deuxième autre problème, c'est l'accrochage de la flamme, parce que ça ne se passe pas comme un moteur à explosion conventionnel. Dès qu'on allume, l'air comprimé souffle la flamme. Et il faut trouver une astuce pour accrocher la flamme. Michel Serrier a trouvé cette astuce et l'ensemble de tout ça nous montre quelque chose de tout à fait exceptionnel. Effectivement, voilà le résultat de 10 ans de travail. Et quel résultat ? À l'heure actuelle, il y a 4 micro-turboréacteurs qui ont volé dans le monde, mais sans aucun doute, celui de Michel Serrier est le plus fiable de tous et peut-être celui qui a le meilleur rendement. Il nous a confié un petit secret quand même, les cages des roulements de son moteur sont en plastique. Voilà, cette fois-ci, c'est bien fini. Les deux vols se sont parfaitement déroulés à la FRTLR. Le public est enthousiaste. Peut-être que parmi tous les modélistes qui étaient dans cette assemblée, il y en a certains qui, dans quelques années, se précipiteront pour acheter un moteur comme celui-ci. C'est tout ce qu'on peut espérer. Contrat rempli, en tous les cas. Maintenant, on espère qu'ils reviendront l'année prochaine. Beaucoup, beaucoup de monde cette année à la Ferté. D'année en année, le public est de plus en plus nombreux, ça fait aucun doute. On commence peut-être à être connu. Il serait temps. Ah, notre fameux programme du dimanche après-midi. Alors, il y a beaucoup de modélistes qui me soufflaient, il faut faire quelque chose pour le dimanche, chez le bordel, etc., etc. Bon, ok, l'aviation civile m'a dit la même chose, donc on s'est dit, faut faire un programme. Alors, faire un programme, bon, c'est facile à dire comme ça, c'est peut-être autre chose à réaliser. Autant prendre des gens qui ont l'habitude. Donc, c'est le Picardie Air Model qui s'est occupé d'un programme. C'était un début, il y a peut-être eu quelques petits problèmes, mais disons que... ils ont eu l'avantage de prouver qu'un programme c'était tout à fait réalisable avec 150 avions. Une autre chose maintenant, complètement différente par rapport au turboréacteur qu'on vient de voir passer, mais peut-être aussi spectaculaire pour le public non connaisseur, et puis même pour les connaisseurs d'ailleurs, c'est toujours très spectaculaire. L'année dernière, on avait déjà eu droit à un spectacle avec 2-0, cette année ils étaient 3. Avec un petit peu de pyrotechnie, le zéro, c'est très très spectaculaire. Il ne nous a pas semblé si bien ce spectacle que l'an passé. Est-ce qu'ils étaient à 3 qui prenaient moins de risques je ne sais pas bien, mais c'était beaucoup moins percutant que l'an passé le spectacle de ces zéros. Ceci dit, ce sont des machines quand même assez... spectaculaires, elles sont motorisées par des moteurs bicylindres de 100 cm3. On ne se rend pas bien compte sur les images de leur taille, mais je peux vous assurer que c'est des machines impressionnantes. Malheureusement, ils souffrent un peu de fragilité au niveau du train d'atterrissage. Là, celui-là vient d'en prendre un coup d'ailleurs. En tous les cas, ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais il faudrait vraiment que le spectacle dans ce style se développe à la FRTLR. C'est extrêmement spectaculaire, les explosions dans tous les sens. Bon, c'est absolument pas dangereux, malgré l'armada qu'il y a sous cet avion.
les allumeurs étaient assez spéciaux hein, pour les mèches de cette époque-là. Oui, c'était des ampoules de flash. Bon, malgré tout, ils avaient tout un artifice, c'est le cas de le dire, en piste, avec une... on aurait presque cru une table de mixage, il y avait des boutons partout, il y avait des fils dans tous les coins, et puis il y avait un pilote de pyrotechnicien, on peut dire, si on peut appeler ça comme ça. Alors voilà, on voit donc la finition des modèles. Les fusages sont en fibre, ça leur permet d'en construire autre qu'ils volent. C'est important quand on commence à faire des spectacles comme ça, on peut très bien... Bon là ils sont un peu gros, ils sont peut-être un peu trop bien finis pour qu'on s'amuse à les planter volontairement. Mais c'est ce qui se passe en tous les cas aux États-Unis chez Byron. Tous les ans ils plantent plusieurs avions. Ça fait partie du spectacle. Mais ça pour y arriver, je crois qu'il n'y a pas de secret, il y a de l'argent. Et tant qu'on n'aura pas trouvé plus de sponsors, on ne pourra pas faire. C'est malheureusement le problème principal, effectivement, pour mettre sur pied ce genre de programme. Mais ça trotte dans l'esprit quand même de certains. Quand on dit que c'était moins spectaculaire que l'année dernière, en fait, c'est peut-être parce qu'il volait plus haut que l'année dernière. Mais en tous les cas, au niveau fumé, il y en avait autant que l'année dernière, ça fait pas de doute. Voilà la faiblesse du train annoncé. L'année dernière, déjà, ils avaient connu quelques problèmes à ce niveau-là. Le nouvel avion de l'équipe du Nord, c'est un P-47. Il vole très bien, on l'a vu au show des As, et là, c'est la Ferté, ils avaient certains problèmes et ben, ils sont restés cloués au sol. Alors, en fait, quand on dit un nouvel avion, c'est un peu faux, c'est un avion qui est ancien, mais qui n'avait pas été sorti depuis fort longtemps. Moi aussi, je me suis fait prendre au show des As, je croyais que c'était une nouvelle machine, mais en fait, il doit avoir 6 ou 7 ans, cet avion. Alors, un autre vétéran, là, c'est un Spitfire, qui appartient à l'anglais Richard Hall, qui est l'animateur de l'association qui est l'équivalent de Lima Outre-Manche. Ce Spit a 10 ans, et il vole magnifiquement bien. À l'époque, ça devait être un gros modèle réduit, maintenant, ça devient... un modèle classique pratiquement. Oui, Richard et Len Rawls sont arrivés donc le jeudi à la Ferté et ils nous ont dit qu'ils venaient avec plein d'anglais, plein d'anglais. On leur a demandé si c'était pas les Hooligans, ils nous ont dit non. C'était mieux avec un Mustang aussi, l'épreuve. Le fameux Mustang qui est d'un réalisme saisissant. Et tout à l'heure, au début de la cassette, on a fait une confiance. On va finir par confondre là. Là j'ai un doute, c'est quoi ça? Ça doit être le vrai quand même. En effet, le même week-end se déroulait au Bourget les fameuses journées Paris Air Trophy. Et donc les avions de la Ferté-Alais étaient évidemment invités là-bas et donc ils sont venus décoller et se reposer sur leur terrain. Ça c'est le modèle réduit là. Je sais plus. Enfin bref, je me mélange peut-être les pinceaux, mais il y avait les deux mélangés. Ça c'est le modèle, hein. Il n'y a pas de doute. Ah là, il n'y a aucun doute. Si c'était le vrai, ce serait dramatique. Le voici. Le fameux Empire of the Sun. Je ne sais pas si Jean Salis a vu la maquette de son avion. En tous les cas, je sais que Jean fait à chaque fois un passage entre les lignes de modèle réduit et qu'il revient abasourdi de ce qu'il voit à chaque fois. Il est toujours enthousiaste. Oui, mais je pense qu'il l'a vu de toute façon, le Mustang. Mais celui qu'il a vu, c'est le Corsair de Rostam. Ah oui, ça, on vous laisse la surprise pour la fin. Effectivement, c'est normal qu'il l'ait remarqué, il n'y a pas de doute.
Une machine qu'on voit très très rarement, c'est un P38. Le dernier en date que j'ai vu, c'était à Orléans, c'était le P38 du club de l'An, qui avait assez mal fini dans les arbres d'ailleurs. Mais il était beaucoup plus gros que celui-ci. Il est nettement moins motorisé. Là, on peut dire que la puissance ne fait pas défaut. Alors il y avait deux P38 cette année, qui étaient construits par la même équipe, des Allemands. Il s'agit de Beaumont et Roussman. Ces P38 sont à l'échelle du 6e et ils mesurent 2,64 m d'envergure. Alors entre le rouge et le métallique, il y a une grosse différence de poids, c'est assez étonnant, il y en a un qui pèse 13 kg et l'autre 17 kg. Tous les deux sont motorisés par des super tigres de 30 cm3. Le plus étonnant d'ailleurs, c'est que c'est celui qui est recouvert d'aluminium le plus léger. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Un avion très très agressif. Qui se remue bien. Faut rappeler que le vrai était pratiquement le chasseur le plus puissant de la Seconde Guerre mondiale quand même. Je vais vous laisser admirer le kiss landing de ce chasseur. C'est l'occasion de souligner la préparation de la piste pour la rencontre de Lima. L'herbe est taillée vraiment ultra courte et en plus un gros rouleau compresseur vient tasser le terrain. C'est parfait. C'est le Cap 10 de Marc Lévy, aux couleurs de l'avion de Catherine Monory. C'est un modèle issu d'un kit allemand qui est commercialisé en France par Markhaus Modelisme. Décollage à l'arraché de l'avion de Marc Lévy, un membre de l'équipe de France maquette grand modèle. Le tableau de bord d'Uslin 50 de Hubert Imbach, superbement fini. On ne l'a malheureusement pas vu voler cette année. Ce genre de maquette, ça demande à peu près 1000 heures de construction. C'est un avion de 2,15 m d'envergure, pèse 10 kg. Le moteur est un 3W, moins connu que les autres, il ne fait que 40 cm3 celui-ci. Ça doit suffire pour emmener les 10 kg de la bête quand même. Le Cap 21, pas de range mais de roll. C'était son premier vol et c'était un vol d'essai entre les mains de range à suivre. Ah, je vous dis pas la tête de l'Aniro, il était malade de voir son avion faire un déclencher au décollage. Sur certaines figures, je l'ai même vu se rouler par terre et se retourner pour pas voir ce que faisait Guerra. J'ai l'impression qu'un Cap 21 bien construit, bah, ça vole comme celui de Guerra, y a pas de problème. Il se retrouve à l'aise tout de suite, voilà une glissade. Voilà, il est malade, il est malade, il est complètement malade, Denis, derrière. Le magnifique drapeau de Lima qui a été réalisé par un membre de Vert Modello. C'est là où on voit tout le travail que demande l'organisation d'une telle rencontre, faut penser à tous les détails. Et devant le drapeau de Lima, un pou du ciel. Oui, il s'agit d'un avion caractéristique avec les deux ailes en tandem. Un avion donc conçu par Henri Mignet. C'est le numéro 293A. Alors c'est un Français qui l'a construit, c'est Monsieur Millon qui a fait cette maquette. Fort bien détaillé, fort bien fini. Il faisait 2,44 m d'envergure, pesait 7 kg. Il était propulsé par un OPS de 20 cm3. Je vous laisse admirer la finition. On parle souvent des finitions bois et soie des Allemands sur leur planeur rétro, mais là vraiment celui-là n'a rien à envier. Vraiment super. Ça fait plaisir d'avoir des modèles français quand même de cette qualité. Et je dois avouer que, notamment la remise des prix, on se retrouve devant énormément de problèmes parce que moi j'estime que cet avion-là a dû avoir un prix. Mais il y en a tellement qui devraient avoir des prix qu'il faut faire un choix qui devient fou. Il était non seulement beau, mais il volait très bien en plus. Un deux paires du sein 1911. Qui appartient à Monsieur Voidier, je crois. Il n'a pas encore volé, ce sera pour l'année prochaine. Alors je tiens à le signaler, cet avion a été extrapolé d'un plan RCM qui a été dessiné par Jean-Claude Koeffling au tout début de RCM. C'est un plan qui était paru dans le numéro 1 de RCM. Un petit côté sentimental.
On reconnaît la structure d'un Blériot 11, la preuve. Le voici de face. C'est un modèle qui appartenait à Monsieur Dempster, un Français. Un modèle au quart qui faisait 2,65 m d'envergure. Je vous laisse admirer les roues à rayons et le train d'atterrissage. Un autre modèle de la même époque, lui aussi bourré de détails. Ce n'est pas le Doppeltaube de Harald Lohmann qu'on a présenté il n'y a pas longtemps dans RCL. C'est celui de Jörg Vogelsang. Jörg est donc revenu avec un oldtimer cette année. C'est pas celui d'Harald Lohmann, mais c'est exactement le même, puisqu'il est issu du même plan en fait. À propos d'Harald, malheureusement on l'a pas vu à la Ferté cette année, vraisemblablement pour des problèmes de santé. On espère qu'on le reverra l'année prochaine, on l'attend vraiment avec impatience. Le Doppeltaube en l'air. À noter, comme sur tous les avions Albatros de l'époque, qu'il n'y avait pas d'aileron, mais que c'est un wrapping de l'aile qui faisait tourner l'avion, c'est-à-dire que c'est les saumons qui se déformaient. Sur celui-ci, uniquement sur l'aile supérieure. Je voudrais vous faire remarquer avec quelle douceur Jörg Vogelsang pilotait là, cette fois-ci. C'est pas toujours habituel chez lui, mais là, on voit bien que quand il a une machine délicate à piloter, il sait la respecter. Et c'était peut-être une tendance cette année à la Ferté. On a vu beaucoup de pilotes se calmer et essayer de piloter avec beaucoup de réalisme. Le Lancaster de notre ami Benoît. Il est fidèle depuis 3 ans. La première année, il n'avait pas volé. Cette année, il a volé. Et il y a eu des problèmes de train d'atterrissage cette année. Sur la cassette de l'année dernière, je vous avais soufflé que le train n'était pas rentré, c'est un fou. C'est cette année qu'il n'est pas rentré sur problème. En revanche, on peut être admiratif devant la fiabilité des 4 moteurs. L'année dernière non plus, il n'avait pas calé et là il fonctionne parfaitement. Comme quoi les multimoteurs c'est peut-être pas si compliqué que ça quand on maîtrise bien la motorisation. La fameuse balance. Cette année, tous les avions qui désiraient voler ont été pesés. C'était un souhait de l'aviation civile. Personnellement, je pensais que c'était infaisable et puis bon, bah, ça s'est réalisé malgré tout. Je dois avouer que le personnel de l'aviation civile nous a filé un grand coup de main pour faire ce travail. Cet avion, vous venez de le voir, c'est un Block 210. Il a été construit par un spécialiste des avions français, malgré le fait qu'il soit allemand. C'est M. Bernard Lorenz. Il adore les avions français de cette époque. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre quand on voit l'esthétique de caisse à savon de ces avions. Enfin bon, ils ont un certain charme, c'est indéniable. En tous les cas, ces maquettes volent magnifiquement bien. Une création entièrement personnelle, de 3,17 m d'envergure, à la limite du poids autorisé en Allemagne, il pèse 19,5 kg. Et il est motorisé par 2 super tigres de 25 cm3. Très très réaliste. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on peut dire ça des avions de Bernard Lorenz. Déjà son Huray Olivier 210 et puis son Block 200 de l'an passé évoluaient exactement de la même manière. Superbe atterrissage. Oh, on en voit de plus en plus des beaux atterrissages quand même. Certainement. Le joyau de la Ferté 90, le voici, on vous l'avait gardé pour la fin. Oui, c'est le plus bel avion. Il n'a pas pu voler parce qu'il n'était pas terminé. Mais il est une finition absolument époustouflante. Vous venez de découvrir sans doute l'avion le mieux fini du meeting. Et il est l'œuvre de Monsieur Rostani et Dawn, qui sont belges, je crois. Belges, oui. Vous venez de quel endroit ? La région de Wavre. Alors cet avion, c'est un Corsair donc, qui représente un avion qui existe encore à l'heure actuelle, je crois. Celui dont on a repris la décoration est un de la Confédération Air Force, aux États-Unis. À Arlington, au Texas, oui. Alors vous vous êtes divisé en deux pour le travail, si j'ai bien compris. Il y en a un qui a fait la structure et l'autre la décoration. Il y en a eu donc l'aide d'un troisième manœuvrier qui lui a commencé à faire donc les découpes des couplets. Et ainsi de suite, et puis il a abandonné quoi. Trop de travail. Bon, disons que bon, trop de travail non, mais il était pris par son travail quoi.
D'accord. Alors, pour faire cet avion, il est à l'échelle du quart. Il pèse à peu près 20 kg, 24 kg, et il est motorisé par un moteur 3W 120 cm3, bicylindre. Alors le plus remarquable en fait, qui vraiment a impressionné tout le monde, c'est le poste de pilotage. Vous êtes un spécialiste de la décoration des postes de pilotage. C'est mon dada, j'aime bien faire ça. Vous en avez déjà plusieurs à votre actif? C'est le deuxième. Le premier, je vous avais dit, est un Boeing 747 à l'échelle 1,5. Qui doit être fort spectaculaire. Alors cet avion ne volera pas cette année, mais on espère bien le voir l'année prochaine. Et il y a un train qui n'est pas encore tout à fait conforme. Modifié, consolidé, quoi. C'est ce que M. Debos nous a dit, que ça ne tiendrait pas, quoi. Alors autant ne pas le faire voler maintenant, quoi. D'accord. Eh bien, à l'année prochaine, alors. Merci. Comme tu dis, Laurent, à l'année prochaine, 4091, c'est le 10e anniversaire de Lima, et il devrait y avoir pas mal de nouveautés qui n'ont pas pu venir cette année. Peut-être un biréacteur de série Westlake, enfin un super spectacle en perspective.